Bonjour à tous, bienvenue sur Bassin à Z, le Tour de France de vos bassins. Nous sommes ravis de vous accueillir pour une nouvelle émission. Au sommaire de celle-ci, nous serons donc en Bourgogne et plus précisément en Côte d'Or. Alexandra ira retrouver Stéphane chez Mickaël pour nous faire découvrir son magnifique bassin sur deux niveaux. Et Elisa se rendra chez Régis, un passionné de sculpture et de bassin, un véritable artiste. Et pour finir, Stéphane nous fera un petit tuto sur l'eau verte. Comme je vous l'ai indiqué dans le sommaire, je me rends donc chez Mickaël pour y retrouver Stéphane. Je parcours les routes et les beaux paysages de campagne aux alentours de Dijon et j'ai vraiment hâte de voir ce bassin dont Stéphane n'arrête pas de me faire l'éloge. Bonjour Stéphane. Salut Alex, comment tu vas ? Bien, merci, et toi ? Ça va, merci. Alors, dis-en-nous un peu plus sur ce bassin. Donc aujourd'hui, tu l'as précisé, on est du côté de Dijon, on est chez Mickaël. Je vais vous présenter en fait un bassin que j'adore, qui est, comme vous pouvez le voir, sur deux niveaux. Donc vous avez le premier bassin qui est juste en dessous, qui fait entre 12 et 15 mètres cubes, et celui du dessus qui fait 42 mètres cubes. Allez, on va aller voir ça. J'affectionne énormément ce bassin, il est très joli, très bien arboré, avec des fleurs, très bien agencé, le bruissement de l'eau est très apaisant, mais on a tout de suite envie d'en savoir un peu plus. Alors en fait oui, c'est vrai que Mickaël a super bien bossé sur ce bassin, en fait il a commencé par faire toute la partie du bas, c'est-à-dire le petit 15 mètres cubes, et puis au fil du temps, bah, comme tout le monde, hein, tu commences avec un petit bassin, et puis hop, il a décidé du jour au lendemain de faire le plus gros, 42 mètres cubes, qui est juste derrière. C'est magnifique. Donc Stéphane, tu nous as expliqué donc qu'il y avait deux bassins, un de 15 mètres cubes et un de 42 mètres cubes. Oui. Sont-ils indépendants et comment sont-ils filtrés ? Alors oui, tout à fait, c'est vraiment deux bassins indépendants. Le premier bassin, donc le 15 mètres cubes, est filtré en mode pompé et le deuxième est filtré par des bombes de fond.
Allez Alex, je t'emmène voir la filtration, c'est par ici. Au niveau de la filtration, c'est relativement simple. L'eau arrive directement dans le filtre à grille. Elle est ensuite aspirée par la pompe, qui l'envoie aux UV et un filtre Shark Bed pour terminer sa course dans une cuve remplie de tapis japonais, oxygénée par des bulleurs, puis finit sa course dans le grand bassin. Pour le petit bassin, il est en mode pompé direct et passe par une deuxième cuve remplie également de tapis japonais. La visite s'achève déjà, on n'a pas vu le temps passer. Merci Stéphane pour toutes tes explications. Merci à toi Alex. Je remercie également Mickaël de nous avoir accueillis. On a vraiment passé un bon moment aujourd'hui. Il est temps de nous quitter, du moins de nous quitter, de quitter Alexandra, puisque là je repars retrouver sa sœur Elisa sur un autre tournage. Amusez-vous bien. C'est à mon tour à présent de parcourir les routes dijonnaises pour rejoindre Elisa chez Régis. Salut Elisa. Bonjour Stéphane. Comment tu vas? Ça va, merci à toi. Ça va bien. Alors on est où là? Alors on est à côté de Dijon, à l'est de Dijon. D'accord. On est chez Régis. Ok. Il a d'autres passions hormis les bassins, donc il va pouvoir m'en dire un petit peu plus. Je te laisse me suivre. Oui, bah écoute, on y va. C'est parti. Je te suis. Waouh, c'est super joli. Waouh, je m'attendais pas à ça en fait. C'est très beau. Ouais, c'est magnifique. Et c'est Régis qui a tout fait en fait. C'est Régis qui a tout fait. Waouh. Il va pouvoir m'en dire un petit peu plus. Je vais aller le rejoindre. D'accord. Il va pouvoir m'expliquer en détail effectivement toute l'histoire du bassin. D'accord. Et des agréments qui sont autour au niveau de ces différentes passions, notamment les sculptures. D'accord, bah, je comprends mieux. Moi je vais faire un petit tour du bassin. Je te laisse retrouver Régis. Et nous on se retrouve un peu plus tard. Ok. Parfait. Bah écoute, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Régis. Bonjour Elisa. Vous allez alors, bien? Oui, ça va bien, oui. Alors, bienvenue à la maison, bienvenue dans mon jardin. Merci beaucoup. Vous avez deux magnifiques bassins. Mmh. Est-ce que vous avez eu l'idée seule de monter ces deux bassins? Qu'est-ce qui vous a amené justement à les créer? Et surtout, quand est-ce que vous les avez créés? Oui. Je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, ma sœur m'amenait promener le long d'un ruisseau, tout ça. Alors, c'était le paradis, quoi, parce que, bien sûr, il y avait l'eau, il y avait la nature, il y avait les grenouilles, il y avait les libellules, tout ça. En fait,
surtout enfant en plus, on ne peut pas être insensible, je pense, à toutes ces choses-là. Bon, alors après, de fil en aiguille, plus tard, j'ai décidé de faire ces bassins-là, des bassins d'ornement. Donc tout seul, vous-même? Oui, j'ai fait ça tout seul, oui, effectivement. Je travaillais quand j'avais envie de travailler, hein, je ne me suis jamais forcé. Ça a toujours été un plaisir de... Que ce soit les murs de pierre, tout ça, ça s'est étalé sur 3 ans, 4 ans. D'accord. Ouais. Bah, beau projet et puis bah, belle réalisation. Écoute, mais c'est vrai que j'adore ce coin-là parce que, alors notamment en été. En été, tu te rends compte, tu t'assois sur la margelle, tu prends un bon bouquin, tu médites un peu là-dessus. Mmh. C'est un vrai moment de bonheur, c'est pas... Puis tu regardes la nature, tu peux faire des tas de choses, tu peux observer... Là, il n'y a pas longtemps, je regardais parce que c'était un vrai planétarium, le fond du bassin de celui-là. Là. D'accord. Il y avait des petites taches blanches de tous les côtés. On aurait dit un planétarium. Puis, alors, je me dis, mais qu'est-ce que c'est qui peut faire ça? Puis, en fait, je me suis aperçu qu'il y avait des éclosions de têtards parce que j'ai plein de grenouilles. Et alors, les têtards se mettent, font leur petit nid dans le fond. Mais c'était magnifique, quoi, parce que... C'est un vrai petit spectacle. Ouais. Parce que du coup, là, vous avez des grenouilles, vous avez d'autres poissons. Il y a grenouilles, poissons. Là, aujourd'hui, on ne va pas trop les voir parce que ça manque de soleil et puis il faudrait que je leur donne à manger. Oui. Oui, ben là, j'ai... Vous avez quoi comme sorte de poisson? Oh, ben il y a carpe, il y a des perches soleil, il y a des ablettes, il y a des petits gardons, il y a... Et voilà, c'est tout. Puis alors des grenouilles, oui. Donc vous avez agrémenté ça avec de la végétation? Ben au début, j'ai mis que un ou deux pieds de nénuphar. Oui. Et puis des rhizophytes là qui sont. Mais en fait, d'année en année, ça s'est créé tout seul. Oui. S'il y a des roseaux au départ que j'ai mis, mais des roseaux, on voit plus les massettes. Mais en fait, après ça s'est développé tout seul. Et puis c'est aussi bien parce que avec l'été qu'on a eu là, très très chaud, très sec, ça a apporté aussi un peu d'ombre aux poissons parce que c'est vrai que de 10h du matin à, on va dire, à 3h de l'après-midi, le bassin il est quand même, il est pas très profond, hein, il fait 50, 60 cm. Donc l'eau est chaude et puis c'est pour ça aussi que je fais tourner la cascade au maximum, hein, de façon à ce que ça oxygène au maximum l'eau. Pour que les poissons soient bien, quoi. Mmh. Les deux premières années, j'ai eu des couvées de canards sauvages. Un matin, Annie elle me dit, mais dis donc, il y a une canne un colvet. Puis effectivement, l'après-midi, je suis allé nettoyer dans le bassin. Et puis là, dans la troche là-bas, ouais. Annie, avec pas loin d'une dizaine d'œufs, et alors, les canetons sont nés, là. Alors, tous les chats du canton arrivaient. Hein. J'ai mis des grillages. Et l'année après, j'en ai eu 12 de canetons. Alors après, j'ai attiré les hérons aussi. On dit, bah, tiens, quelque part, on a réussi à recréer un truc naturel, ouais, quoi, finalement. Ouais. Hein. Alors, il y a un martin pêcheur qui vient. Alors, soit il se met là-bas sur la branche, là, les trucs. Oui. Alors, où c'est rigolo. C'est quand il se perche sur le bec du héron, là, métallique. Ouais. Alors il est sur le bec, puis il regarde les poissons dans le bas.
Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur la sculpture, sur votre passion, votre talent au final? Ah. Est-ce que ça fait longtemps que vous sculptez? Comment c'est venu? Non, ça fait... En fait, j'ai commencé un petit peu, on va dire en 97, je crois. J'avais un bon copain, Régis Pro. Là, c'est vrai qu'on a fait déjà dans la maison, on a réalisé des choses, enfin... Il a réalisé les lucarnes là, à l'époque. Là. Oui. Alors c'est vrai que j'appréciais, je le regardais travailler. Et puis j'aimais bien ce qu'il faisait. Bon, faut pas oublier non plus que je suis de Comblanchien. Mon pays natal, c'est Comblanchien. Mon père a travaillé dans les carrières de Comblanchien. Donc j'étais en contact vraiment déjà avec la pierre, avec le marbre, tout ça. Et puis par la suite, j'ai eu la chance de tomber sur Gauvin. Alors Gauvin, c'était un tailleur de pierre au début, mais qui est devenu un grand sculpteur. D'accord. On a fait connaissance, on est devenu copains. Ouais. J'avais les portails, j'avais tout ça à faire, je lui ai proposé. Il m'a proposé même après, lui-même, il m'a fait un petit coin dans son atelier. Et puis l'aventure commence avec lui aussi après, parce que, il me montre, il m'explique un petit peu tout ça aussi, et puis on devient bien copains. Et du reste, je regrette, il est décédé en 2016, et puis c'était vraiment quelqu'un, un super bon copain. On a passé des bons moments ensemble. Hein. Voilà, puis petit à petit, après, j'ai attaqué le cellier, j'ai commencé à faire des clés de voûte, ouais. Et puis petit à petit, l'appétit vient en mangeant. Alors là, t'as l'épicure, donc j'ai essayé de faire un peu, c'est un jardin d'épicure, quoi. Enfin, j'ai pas l'ambition d'être épicure, mais bon. Alors tu passes là, c'est très philosophique, hein. On passe d'épicure, après on passe à Nietzsche. Là-bas, voici l'homme, hein. C'est l'homme qui sort du matériau. Au départ, quoi, on sort d'une pierre, même des fois qui est pas belle. Et puis en fait, la vie, c'est d'apprendre à se sculpter soi-même. Alors donc après, tu passes, la genèse de la parole. J'ai essayé de traduire ça, alors avec la naissance des voyelles, et puis avec l'idée d'une pollinisation des abeilles pour arriver au verbe, et puis en passant par la séduction, alors la femme fleur, Pelt, quand il en parle de la fabuleuse histoire des plantes, il se pose la question de savoir, c'est quand même magique, quoi. Les abeilles sont venues sur les fleurs, butiner sur les fleurs, et il a fallu les attirer quelque part d'une façon ou d'une autre. Comme quoi, la beauté, l'esthétique, finalement, ce serait la création embryonnaire, quoi. L'embryon, ça serait ça, quoi. Le monde est quand même vraiment bien fait. Tellement mystérieux, puis tellement bien fait que on peut être qu'en admiration devant tous ces trucs-là. Encore faut-il des fois se poser la question, ouais. Mais comme un gosse, hein. Ouais. Tu sais, même Einstein, il disait, j'ai réussi à résoudre toutes les énigmes en posant des questions de gamin, ouais. Finalement, parce que quand on est adulte, avec toute l'éducation qu'on a eue et puis tout ce qu'on a appris à l'école, ouais. Ça devient presque une chape de plomb, mmh. Qui t'empêche de penser un peu plus large. Gaston Bachelard dit la même chose. Hein. Voilà. Et puis alors là, je ne t'ai pas parlé de ça. Alors ça, c'est plutôt Spinoza, le déterminisme. Par exemple, est-ce qu'on est musicien? Tu vois, il a la moitié d'un tête, c'est du violon, c'est un violon, tout ça. Mais est-ce que c'est prédéfini à l'avance? Presque. Puisqu'il paraît que Mozart et compagnie, tu sais, à 4 ans, je crois, il s'est mis sur le tabouret. Il n'a fait aucune école de musique, hein, Mozart. Ouais. Mais par contre, sa mère jouait la musique. Et maintenant, ça a avéré que, y compris quand on est dans le ventre de sa mère, eh ben, on perçoit les sons. Bien sûr. Et on a une première idée, une notion de la musique, et puis tout. Alors, les dominos, c'est l'effet de cause à effet. Puis tu as le dé qui est derrière. Puis tu as aussi la lecture, en fonction de la lecture que tu fais. Ouais. Finalement, pour être libre, il faut savoir qu'on n'est pas libre. C'est la grande leçon de Spinoza.
selon ton milieu social, selon les gens que tu connais, selon les cultures que tu as, ouais, selon la religion que tu as, et ben t'es toujours différent finalement. Ah, oui, oui. Et tu te crois libre, mais en fait tu l'es pas. Voilà. Après, t'as ensuite la pensée, tu vois, que les... Ah bah celle-là. La pensée, c'est la femme, encore une fois, hein. Je te signale. Et pourquoi c'est la femme? Ben, elle est c'est au féminin, la pensée. La pensée, oui. Hein, d'accord. Mais c'est la pensée, mais au sens pareil, essence, quoi. Pourquoi on pense, finalement? Alors, et bien sûr, elle se pose des questions, tu vois, elle morce les doigts, elle ronche les ongles. Oui, elle, oui, oui. Et puis, elle a une position de... Oui, oui, de méditation, oui, de... Dubitative. Voilà. Et qu'est-ce qui est écrit tout au-dessus du... Alors oui, ça c'est important. Un aphorisme. C'est Nietzsche, il parlait des aphorismes et puis tout. Il essayait de déterminer quelque chose avec le moins de mots possible. Et puis Nietzsche, il parlait de la philosophie du marteau, tu sais. Alors, eh ben, il parlait de sculpture, de l'aphorisme, de la sculpture, essayer de traduire dans un caillou, dans un bout de bois, tout ce que tu veux, une pensée, un mot, un truc comme ça. En fait, c'est un aphorisme, oui. Alors celui-là, je te laisse chercher celui-là. Laisse chercher. Voir comment tu le vois, toi. C'est sur ces pensées philosophiques que nous quittons Agis, en le remerciant chaleureusement pour son accueil et le partage de ses passions. Voilà, l'émission touche à sa fin. Ça a été un plaisir de vous la présenter. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci de l'avoir suivie. Vous êtes en Bourgogne-Franche-Comté ? Et vous voulez faire partie de l'émission pour nous faire découvrir votre bassin? N'hésitez pas à contacter Stéphane. Je vous rappelle que vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook et Instagram, si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également envoyer vos photos ou vidéos de vos bassins. Pour ça, rien de plus simple, contactez Stéphane sur le site internet www.bassinaaz.fr. ou sur l'adresse mail bassinaaz@gmail.com ou sur la page Facebook. À bientôt sur Bassin AAZ, le tour de France de vos bassins. À bientôt, bye. À bientôt. Si vous souhaitez partager... Ouh, ah, je suis pas la seule. Alors, partage ça, Raphaël. L'eau verte est sans danger pour les poissons, c'est simplement esthétique. Eh oui. Vous pouvez également envoyer vos photos ou vidéos de vos bassins. Pour ça... Entre la pompe et le filtre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Donc, putain, mais non, ça va pas mon texte. Oui, c'est ça, ça consomme un peu de courant, mais il faudra faire attention. Bah si, si, ça va ton texte. Mais non. Ah oui. Bah oui. Si. On peut y aller quand on veut? Quand vous voulez. Bonjour et bienvenue au Tour de France de vos bassins. Aujourd'hui, on se retrouve en Côte d'Or, et plus précisément en Bourgogne. Merde, c'est l'inverse, pardon. C'est l'inverse. Désolée. Aujourd'hui, on se retrouve en Bourgogne, et plus précisément en Côte d'Or, où on va... Putain, merde, pardon. Voilà, l'émission touche à sa fin. Ça a été un plaisir de vous la présenter. J'espère que vous a plu. Pour la petite histoire, c'est une des premières que j'ai faites. Alors, c'est pareil, c'est le Jean de la Lune. Alors là, c'est une vengeance, là. Ouais. Parce que mon instinct, quand j'étais comme ça, minot, ouais, il m'appelait. Mais il est toujours dans la lune, on dirait Jean de la Lune. Alors j'ai dit, je vais faire un Jean de la Lune, puis je vais y envoyer la photo.